Il faut du caractère, de la résilience pour jouer dans l'ombre des disparus, pour s'imposer sur cette patinoire associée à jamais à un terrible accident. No one's ever gonna forget about what happened. Personne ne va oublier ce qui s'est produit, dit le nouvel entraîneur. Mais en même temps, il faut aller de l'avant. Aller de l'avant avec 20 nouveaux joueurs sur 22. Braden Camrood est l'un des seuls qui était dans l'autobus l'après-midi fatidique du 6 avril à être de retour dans l'équipe. I'm so lucky to be here, and you know, I could have been any one of those other guys, and they could have been in my position, and I want to make them proud, and I want to do it for them. Pour le nouvel entraîneur qui a déménagé cet été à Humboldt, le défi est énorme. There's no game plan for this. Il n'y a pas de manuel d'instruction pour reconstruire une équipe de hockey mineur de A à Z, explique-t-il. Et il sait que les premiers voyages en autobus vont être difficiles. I'm sure there'll be times that it's emotional and you know they'll be nervous, but you know the more we do it, hopefully the less they feel that nervousness and about being on the bus. Yes, yeah, about being on the bus. À Humboldt, une communauté de 6000 habitants, chaque magasin, chaque fenêtre, chaque voiture porte encore les marques de l'accident. Même les arbres arborent le vert et le jaune des Broncos, quoique les rubans ont un peu pâli depuis 5 mois. So this is where the pictures are. Yeah. Et puis, loin des regards du public, il y a ceux qui ont érigé leur propre petit monument. Dans son cabanon, Leroy Hogan a accroché tous les souvenirs qu'il a pu trouver de son fils Darcy, qui était l'entraîneur de l'équipe. Ça, c'était un de ses premiers chandails, dit-il. Malgré la douleur, Leroy Hogan a acheté ses billets de saison des Broncos parce qu'il faut passer à autre chose. You made your dad very proud. Je voudrais juste dire à mon fils que je suis fier de lui. Et aux joueurs qui commencent la saison, donnez le meilleur de vous-même. C'est ce que Darcy aurait voulu. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Humboldt.